T'as vu le panneau là? Il y a écrit quoi sur le panneau? Voilà, tu ne sais pas lire parce que voilà, tu vas là, tu déranges les gens. Bon, vas-y, rentre quand t'es là. Regarde où on est. On est chez Jérôme Vandermaren. Mais je l'ai dit déjà dans ma vidéo. Il va falloir du recul. Il va falloir du recul de ouf. C'est vrai que le mien, c'est à dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de recul. Attaquer généreusement. Eh, salut les Sloubidou! Bon, alors Romain est derrière la caméra, c'est moi qui vais faire un peu la présentation. Je suis avec Jérôme Vandermaren, luthier en guitare. On est où là en Suisse? On est à. À Vuy. À Vuy, d'accord. Un petit village en campagne. Je n'existe pas sur une carte, hein, ne cherchez pas. Voilà, si c'est accessible, si, cherchez. C'est cherché. Venez. Voilà, on ressort d'une masterclass hier soir dans un bar-concert qui s'appelait Les Quatre Coins, ouais. Rue de Carouge à Genève. C'était vachement bien. Il y avait plein de monde, c'était trop cool. On a passé un super moment. Donc merci encore à tous d'être venus. Si jamais vous avez des photos, des vidéos de la soirée, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse contact.lsdld@gmail.com parce qu'on va essayer de documenter un petit peu tout ça, de faire une sorte de road movie. Et là, du coup, bah, on a fait notre masterclass, on a dormi quelques heures. Là, on est allé manger une pizza, mais énorme, un truc de ouf et tout. Donc voilà, au Blue Martini, qu'on salue avec une équipe de choc. Et là, du coup, on est chez Jérôme, on va faire un petit tour de l'atelier. On va regarder un petit peu bah, ses modèles, sa philosophie, on va discuter de ça. On va voir un petit peu ce qu'il propose. J'ai pas de fin à cette phrase, donc je propose qu'on attaque tout de suite. Jérôme, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, bah moi, voilà, ça a été dit, je m'appelle Jérôme Vandermaren, donc je suis belge, expatrié en Suisse. Donc, ça fait beaucoup de défauts dans une personne. Ouais, voilà, bon après, on fait ce qu'on peut. Hein. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, surtout pas nous. Donc moi, j'ai fêté, là, au mois de mars, ça fait 10 ans que j'ai ouvert mon atelier. Donc j'ai fait 3 ans en Belgique, okay. Et là, ça fait 7 ans. 7 ans en Suisse. Ouais. Donc voilà. Ça va, ça te manque pas trop la Belgique? Si et non en même oui temps. Et non en même temps. Donc, ouais. Parce qu'en fait, oui, bah, parce que ta vie est là-bas, que ouais, nous, on est deux Belges et que du coup, bah, forcément, t'as les potes, t'as la famille, t'as machin. Mais après, en tout cas, moi, pour mon boulot, pour les conditions de vie, je regrette pas. Et c'est vraiment un gros frein qui me dirait, ouais, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas. C'est que, bah voilà, ici, c'est un pouvoir d'achat qui est plus élevé, un attrait pour l'artisanat et pour le. Vraiment avoir, enfin faire marcher tout ce qui est main d'œuvre locale, ouais, d'accord. Qui est beaucoup plus important. Oui, parce que si vous ne le savez pas, ici le salaire moyen est d'environ 17 000 euros net la minute. Voilà. Par contre, l'essence est à 700 euros le centilitre, donc voilà, faut faire des calculs. C'est un ratio, mais c'est à peu près ça quoi. Et de machines. Imaginons que, je sais pas, tu rentres avec un morceau de bois. Est-ce que tu peux nous faire le circuit, on va dire, classique du morceau de bois, on va dire, de l'étape de plan jusqu'à l'étape potentiellement de peinture vernis. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah donc, je vais faire le morceau de bois pour la caméra. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. ça veut dire, je sais pas si tu passes dans le rabot d'ego parce que t'es quand même un peu épais, mon con. Ouais, je sais pas. Donc voilà, petite dégo rabot, ça c'est une des dernières grosses machines. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dégauchisseuse, raboteuse, voilà. Ça permet en fait d'aligner sa planche de bois. Tu me corriges hein, si je dis pas, Patrick. Ça permet de planifier en fait sa planche de bois, d'avoir quelque chose de bien droit et aussi bah, de la raboter, donc de la mettre à la taille exacte de ce qu'on veut. Donc, du coup, ça va se passer. Regarde, tu vois ici, t'as une lame en fait qui va te permettre en fait. Avec ton système de réglage, de pouvoir te la placer là, être bien droite. Je prends un exemple, donc exactement, là, qui n'est pas moi pour un coup, truc voilà, qui traînait. Ça me permet, pour quelque chose qui n'est pas raboté, qui a juste été coupé par mon grossiste ou la scierie, je crée un plat. Ouais. Et en ayant créé ce plat, je peux m'en servir de référence pour pouvoir le raboter, donc le mettre à épaisseur dans l'épaisseur voulue. Et puis, donc une fois que j'ai ma face, je peux.
faire forcément à côté, donc je vais pas faire un cours d'ébénisterie, mais l'idée c'est avec cette machine là de pouvoir faire les quatre faces planes, et que je puisse moi après faire mes collages, mes collages dans tous les sens, et puis mes défonces, voilà. Donc ça c'est la première étape déjà pour traiter vraiment ton morceau de bois, le dégauchir et le raboter, avant de passer à l'étape collage, défonce, etc. Le collage, la défonce, etc. Tu fais ça où? Tu fais ça sur ton Et sur mon établi, j'ai un établi de travail. D'accord. Bon là il y a une réparation qui traîne parce que vraiment je pouvais pas la mettre ailleurs. Ok. Donc ça c'est vraiment le plan de travail où on le voit, il y a un peu de copeaux partout parce que c'est vraiment très régulièrement utilisé. Ouais. C'est un établi polyvalent, donc j'ai une défonceuse sous table qu'on voit vite fait là-dessous, qui me permet justement d'avoir certains usinages comme les chanfreins des guitares, enfin le quart de rond, comme ça j'ai une bonne référence. Là je m'en sers aussi, ça c'est pour mes profils de manche, j'ai fait un support de défonceuse qui me permet de faire déjà le dégrossissage de support de manche, pour passer pas vraiment tout faire à la lime, rectangle et tout, et pas tout casser les angles, parce que ça c'est très très long, autant tu peux le finir à la main, tu peux faire ton profil en V, en C, en D, ou asymétrique, mais au moins de dégrossir pour pas avoir ton puis dégrossir à la machine, j'imagine que la fibre souffre moins aussi parce que c'est un passage qui est plus net avec un truc qui tranche parfaitement et tout. Puis t'as un passage qui est plus régulier, c'est ok. Donc grosso modo là c'est un peu tout ce qui se passe, ce qui fait que je peux laisser un collage sur cette établi là. J'ai mes presses qui sont là dessous, donc j'ai vraiment des très grosses presses pour bien tout coller, donc ça c'est un peu l'établi polyvalent sur lequel je travaille pour tout ce qui est gros œuvre, entre guillemets, avec les défonces, etc. Ça va être plus une fois que j'ai mon gros corps rectangulaire, en fait je vais pouvoir utiliser ma scie à ruban. Gros corps là. Donc j'ai une scie à ruban, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Avec une grosse lame, j'en ai une plus petite là, ce qui est petite découpe, qui me permet justement de pouvoir avoir les... Ça découpe sur de la belle section. Faut pas laisser traîner en fibre, Tout à fait. Pardon, c'est l'esprit LSDL. Pardon d'être nous. Excusez-nous d'être vulgaire. Donc ça c'est découpage un peu grossier. Ouais. Et puis c'est plus découpage. Des stickers de qualité en plus. Voilà. Il y a un peu des stickers partout. C'est nouveau que je colle les stickers de l'autre côté parce que tu vois là c'est un peu tout plein, donc. Effectivement, t'as pas vu encore l'autre côté. C'est un peu tous les groupes de potes, les marques partenaires, des trucs comme ça, quoi. Et puis à part ça, depuis le mois d'octobre, j'ai une machine qui m'aide beaucoup sur beaucoup d'étapes, qui me permet de me passer et d'une scie à ruban et des défonceuses. C'est justement derrière la machine à commande numérique. Commande numérique, ouais, tout à fait. Donc qui est une broche un peu comme sur une défonceuse, sauf qu'elle est commandée par ordinateur. Donc du coup en fait ça me permet de faire tout ce qui est contour de corps. Là je peux mettre un morceau de bois massif et avoir quasiment
tout qui est fait là-dessus. Je l'ai acheté, c'est surtout pour gagner en précision d'usinage. Ouais. C'est pas tellement en rapidité parce que le temps que je pars à faire tout ce qui est gabarit, enfin tout ce qui était gabarit pour le faire à la main, je le perds aussi pour faire tout ce qui est fichier 2D, 3D. Bien sûr. Pour mettre dans la machine. Donc c'est pas vraiment un gain de temps. C'est un gain de précision, voilà. Puisque la machine elle fait pas d'erreur, elle rip pas ou quoi que ce soit. Enfin, normalement non, en tout cas. Normalement. Mais en tout cas, c'est ça. Et puis pendant qu'elle travaille, moi je peux faire. Oui, tu peux faire autre chose pendant ce temps-là. Ouais. Donc c'est vrai que je gagne quand même un peu de temps. T'as un ouvrier à disposition, quoi. Voilà, c'est okay. Ça. C'est juste pour répondre à des critères. Du coup, avec un système d'aspiration filtration pour éviter de t'étouffer complètement. C'est ça, parce que ça envoie un peu de copeaux. On est d'accord. Donc évidemment l'aspirateur il est possible de le mettre sur n'importe quelle machine, de toute façon il sert, c'est mon aspirateur mobile, j'aimerais bien avoir la place pour mettre un aspirateur fixe comme on est censé avoir pour la qualité de filtration, la santé et tout le bazar, mais là le problème c'est que la place faisant j'ai pas le choix d'avoir un mobile. Tu peux pas faire donc, voilà. Et puis après tout ce qui va être, donc là ici j'ai une grosse calibreuse qui me sert notamment, alors ça je l'ai surtout acheté pour tout ce qui est acoustique. D'accord. C'est-à-dire que ça te sert beaucoup pour des pièces assez larges, ça va jusqu'à 60 cm de large. C'est deux rouleaux ponceurs, donc ça fait un peu comme une raboteuse. Ouais, d'accord. Mais au lieu de raboter avec des lames, ça se rabote avec du papier à poncer. Donc c'est plus fin, ça te fait des plus petites passes, c'est plus long pour si tu vas pas bouffer un centimètre avec ça, parce que sinon t'en as pour une demi-heure. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, tu vas travailler en dixième de millimètre. Ouais, pour faire tes étapes pour les tables d'acoustique. Ouais, c'est ça, parce que là, tu vas avoir les tables et dos en fait, qui sont au dixième de millimètre. Donc tu vois, j'ai un mesureur exprès qui travaille au centième de millimètre. Et quand même sur un c'est vraiment très très précis. Donc moi une table selon l'essence de bois, une table, un fond, des éclisses, peu importe, je vais le mesurer avec ça et ça me permettra vraiment d'être de dire je vais mettre peut-être encore un 16e de tour pour bouffer juste un dixième de millimètre en plus et arriver pile poil à l'épaisseur. Puis ça te permet de contrôler de pas avoir d'épaisseur supplémentaire dans la table et tout, d'avoir un truc qui soit vraiment à plat partout. C'est ça. Ok, donc là du coup le morceau de bois il a été dégauchi, raboté, il a été collé, il a été défoncé, éventuellement il est passé à la machine à commande numérique. Du coup c'est quoi l'étape d'après? Est-ce que tu passes direct? Alors on a les étapes forcément de fondure j'imagine, etc. De toute façon il y a toutes les étapes intermédiaires de collage. Chaque étape, coller la touche, coller le manche s'il est collé, et toutes des pièces, que ce soit les filets, par exemple les filets ça va être beaucoup manuel, j'utilise encore une défonceuse, les quarts de rond, on en parlait tout à l'heure, c'est à la défonceuse sous table, et puis une fois que tout est assemblé, il y a une grosse part de manuel que je fais encore, c'est-à-dire les profils de manche, ça c'est principalement manuellement, et puis tout ce qui est ponçage, forcément c'est manuel, forcément, pour avoir vraiment la finition nickel que je veux partout. J'ai quelques machines de ponçage justement en stationnaire et en manuel pour vraiment le faire, en machine portative pour vraiment le faire comme je veux. Donc je suis quand même assez bien équipé en termes de machines pour vraiment gagner un maximum de temps et de précision. Et puis une fois que j'en arrive au vernis, là j'ai une pièce dédiée vraiment au vernis. Ventilation.
c'est les trois règles. Attention. C'est les trois règles importantes. Trois règles importantes parce que moi je suis assez tête en l'air et du coup c'est le truc, j'oublie d'éteindre le compresseur qui va tourner et recharger tout le week-end, jour et nuit, avec la fenêtre ouverte. Donc voilà. Ici, bah du coup, on a la cabine à vernis qui est donc une grosse filtration. Ça en fait, je l'ai récupéré de l'ancien luthier qui avait déjà ça dans son local. D'accord. Si j'avais dû en acheter une, j'aurais peut-être pas acheté aussi grand parce que c'est vraiment très grand. Mais ça a l'avantage d'être déjà fonctionnel, déjà installé dans l'ancien local. On l'a juste déplacé ici, j'ai mis 2-3 raccords pour vraiment m'adapter à la configuration de la pièce. Mais sinon, c'est vraiment nickel, ça aspire très bien. Donc là, en fait, tu contrôles ta température et ton taux d'humidité, j'imagine. Voilà, donc toi qui fais 25 degrés, 34% d'humidité, ce qui est relativement sec. C'est très quand même, c'est très, voilà, pour les vernis, j'imagine. Donc là, le principe, c'est que tu vas, avec le pétard, j'imagine, vernir, et tu vas avoir toute cette partie-là, en fait, qui va aspirer et filtrer. Et en fait, suivre le conduit qui est là pour évacuer sur les voisins. Et j'ai trois filtrations quand même, justement, d'accord, pour le voisinage. Oui, justement, pour le voisinage. Cool. Ouais. Donc j'ai d'abord ce filtre carton qui a un filtre tissu derrière qui retient la plupart du gros vernis. Ouais. Et tout ce qui est solvant sera retenu par des filtres qui sont à l'intérieur du tube. Donc on a d'abord un gros filtre, c'est une structure bois avec un autre filtre tissu qui est un peu plus épais. Okay. Et puis j'ai du charbon actif pour tout ce qui est odeur. D'accord. Pour vraiment assainir au niveau maximum des voisins, il n'y a pas d'odeur. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vrai qu'on le sent quand on rentre dans la pièce. Ça sent quand même très fort. Tu travailles sur quoi comme type de vernis? Tu fais de tout? Tu fais du polu, du nitro Je fais de tout parce que j'ai toujours de la demande et comme je fais beaucoup de réparations, je peux pas ne pas faire de polyuréthane, par exemple. L'un et l'autre, en fait, c'est que le nitro, forcément, si tu répares une tête cassée Gibson, tu fais un vernis, tu vas devoir retoucher un nitro. Mmh. Moi, je travaille principalement en polyuréthane pour mes guitares. D'accord. Parce que c'est un matériau que j'adore, qui réagit bien, qui va bien suivre la déformation du bois. Mmh. C'est des vernis de voiture et la voiture, en plein hiver, elle est exposée à des températures négatives. En plein été, la même voiture, elle est exposée à des chaleurs intenses, à des 40-50 degrés en plein cagnard. Mmh. Et ton vernis, il bouge pas. Ouais. Et ça, c'est dû au côté un peu flexible du vernis. J'ai gardé des petits, c'est des fonds de peau que je garde des fois. Ça, c'est un vernis brillant polyuréthane. D'accord. Et on voit ce côté flexible, bon, il y a une sacrée épaisseur, mais on voit un peu le côté flexible que si j'avais un vernis nitro qui avait séché comme ça, il ne sécherait pas de toute façon, parce qu'il finirait par se désolvanter et tu n'as plus que la matière sèche qui reste. Là, c'est du bicomposant, le polyuréthane, donc c'est une résine, un durcisseur, ce qui fait que tu as un matériau qui est quand même solide et qui va avoir tendance à se déformer. Là, il se casse parce que je le manipule très fort, mais on est sur une sacrée épaisseur. Ouais. Mais tu arrives entre 1 et 2 dixièmes de millimètre de rendu fini sur la guitare. Ouais. Donc on n'est pas sur des grosses épaisseurs comme certains industriels qui font justement des épaisseurs de vernis. Non, voilà. Ça, c'est... J'essaie de contrôler, d'avoir des couches les plus fines possibles. Ouais. Et justement ici, tous les instruments, c'est que des réparations qui sont là, qui désolvantent parce que c'est que du nitro. Okay. Donc là, c'est que des instruments nitro que j'ai dû revernir. Et donc je les laisse sécher tranquille avant polissage pendant plusieurs semaines. C'est ta musique mal à toi, celle-là? C'est la mienne, ouais. Donc là, c'est le corps. Le manche, il est à part. Okay. Là, c'est un client qui m'a demandé de revernir un manche Fender de Fender Custom Shop qui n'était pas à son goût. D'accord. Et puis là, il y a une vieille Ibanez et il y a une vieille Rickenbacker 4001 où j'ai refait le vernis complet parce qu'il était défoncé. Complet. Donc là, j'ai déjà fait un premier montage, mais je vais refaire un polissage parce que je suis pas satisfait du polissage. Il a désolvanté entre le moment où j'ai fait le polissage et le montage. D'accord. Et là, pour que le client soit content, je voudrais que ça soit au top.
et du coup, donc une fois que c'est fait, donc une fois que le vernis est sec et tout, tu vas avoir des étapes de finition, de polissage, j'imagine. Donc là, c'est retour atelier. Ouais, retour atelier. J'ai une pièce dédiée au polissage qui est malheureusement pas accessible aujourd'hui. J'ai stocké Swan dedans en fait. Il s'est fait une chambre et tout. Il dort, on veut pas le réveiller. J'ai installé un petit lit de camp. Il est mignon quand il dort et tout. Déjà, t'as été sympa de lui filer un lit de camp. Chez Romain, il a dormi sur un paillasson, bordel. Hein. Ok, donc t'as voilà, cette pièce-là vraiment pour les finitions et tout. Je vais l'établir en fait pour tout ce qui est préparation polissage, parce qu'évidemment un vernis brut comme ça, donc là on le voit, il est légèrement gondolé, il y a un petit peu... Un petit peu d'orange. Et là le but c'est que je vais faire un ponçage d'abord au 1500, 2000, 3000, parfois 4000. Alors sur les nitros c'est pas nécessaire parce que de toute façon le polissage est pas... Enfin, on peut pas avoir un aussi haut brillant que sur un vernis polyuréthane. Là sur le nitro c'est vraiment le max qu'on peut avoir, allez 3000 max, parce qu'on aura cet effet un peu plus vintage qui est directement lié au nitro. Mais avant de la passer à la machine à polir, on est forcément obligé de corriger tous ces petits défauts, d'éventuellement si on a eu des petites poussières pendant le shoot de vernis. Donc voilà, tout ça c'est fait à l'établi, comme d'habitude. Enfin, voilà, mon établi c'est vraiment très central. Une fois que ça c'est fait, je vais sur la machine à polir, où j'ai différentes pattes à polir avec différents disques. Pour vraiment avoir le résultat le plus parfait possible. D'accord. Et souvent, je fais encore un polissage supplémentaire, surtout pour tout ce qui est foncé. Ouais. Autant sur le clair, on voit pas la différence, mais sur le foncé, je refais un polissage manuel pour vraiment arriver à un résultat au top et avoir quelque chose de miroir. Justement avec cette basse là, la dernière fois, je me suis pris en photo dedans et en fait, tu arrivais pas à voir que c'était un reflet. D'accord. Tu vois, parce que t'arrivais tellement à un niveau de brillance la lumière qui était bien reflétée parfaitement, en fait, tu te rendais pas vraiment compte que c'était un reflet. Ouais, d'accord. Malgré que ce soit du noir et puis voilà. Ok. Ceux que t'aimes pas forcément les finitions noires en plus. Donc voilà, ceux qui étaient là à Monsterclass, vous vous rappelez. Dans tout ça, dans tout ce qu'on a vu, l'étape que toi tu préfères, qu'est-ce que t'aimes le plus faire ? Ce que j'adore, c'est toujours partir d'un bloc de bois. Ouais. Vraiment. Ouais. Tout au début, c'est ultra excitant de te dire. Parce que moi, je fais pas de montage, je fais pas de kit, donc je pars pas de produits qui sont déjà usinés, etc. Moi, j'adore avoir cette planche, tu vois, et puis surtout, c'est la réaction en plus des clients qui disent « Mais attendez, vous partez de ça pour arriver à une guitare finie et tout, mais enfin, pour eux, c'est même inconcevable, en fait. » Et moi, ça, c'est vraiment ce que j'adore parce que ça me rappelle mes études d'ébénisterie, formation antérieure, etc. Tu pars d'un truc et puis très vite ça va prendre forme, tu commences à voir que la guitare se dessine, tu as les défonces qui font que ça prend de la profondeur, c'est vraiment l'étape que j'adore. Okay. Et puis l'étape qui est à la fois la plus stressante mais forcément la plus excitante, c'est la toute fin, quand tu es en train de faire le montage, tu fais les premiers montages de cordes où là d'un coup tu te dis ça y est, est-ce que ça a sonné, est-ce qu'il y a des trucs où je me suis planté ou pas, et puis c'est le moment où tu t'es soulagé, tu as ce produit qui est fini. Ouais. Mais c'est toujours le plus dangereux parce que c'est là où tu peux te planter, t'as pas percé le bon endroit ou je sais pas quoi. Enfin, ça arrive malheureusement, mais Et le truc qui est le pire, la purge, le truc que tu préférais filer à quelqu'un d'autre. Le travail de ponçage, c'est long. C'est un peu ingrat parce qu'en fait, c'est le truc ultra indispensable, parce que forcément tu fais un vernis sur un ponçage dégueulasse, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Et ça va se voir, tu vas avoir les traces de ponçage qui sont pas dans le bon sens ou qui sont pas. T'as pas été au grain suffisamment bas pour avoir un résultat top. Mais à côté de ça, c'est ultra chronophage. C'est indispensable si tu veux avoir un bon résultat. Donc en fait, l'étape du ponçage, finalement, c'est comme le bassiste dans un groupe. C'est quand il est pas là, tu t'en rends compte. Voilà, on vous aime les bassistes. Continuez à faire de la basse, on a besoin de vous, les gars. Changez rien. Moi, je suis bassiste, je confirme. Personne n'est parfait. On dirait le début d'une blague, c'est un belge bassiste qui part en Suisse. Qui rentre dans un bar. Il rentre dans un bar et tout.
Bon bah très bien. On va aller faire quelques gros plans sur les guitares de Jérôme, montrer quelques modèles bien particuliers. Parce qu'en fait Jérôme design aussi de très beaux instruments, des trucs super intéressants. Et puis après, on va peut-être même faire un petit peu de train, parce qu'on a vu qu'il y avait un Invader ce qui traînait. Donc ça nous fait plaisir de voilà, tester un petit peu des trucs de belge encore.